Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Colossiens, au chapitre 4, les premiers six versets. Je voudrais parler de ces recommandations données par l'apôtre Paul. Colossiens, chapitre 4, et au verset premier. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de salle, afin que vous sachiez. Comment il faut répondre à chacun. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons pour ta parole qui nous guide, cette parole qui nous offre la vie éternelle, le pardon de tout péché, la guérison de toute maladie, la délivrance de l'adversaire. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole libère, que cette parole fasse tout son effet dans nos cœurs et nos vies. Nous demandons tout cela, Père, parce que nous voulons te plaire en toutes choses, parce que nous voulons honorer celui qui... C'est donné volontairement pour nous. Merci Père, merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez un maître dans le ciel? Les vrais chrétiens ont un maître dans le ciel. Celui qui est aussi appelé. Seigneur. Mais notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est le Créateur. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1er que tout a été fait par lui et pour lui et par lui tout subsiste. Vous savez, dans les temps anciens, il y avait des Seigneurs en Europe. Choisi qui protégeait le peuple qui était sous leur garde. Nous avons un maître et un seigneur dans le ciel. Et tout pouvoir est entre ses mains. Quand nous lui faisons confiance, tout est possible. Il a dit lui-même Tout est possible à celui qui croit. Tout. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce que vous avez comme maladie? Vous avez des ennemis qui veulent vous écraser? Notre Seigneur n'a qu'à dire un mot. Et tout est réglé. Tout est réglé. Une armée marche contre nous. Il n'a qu'à dire, dire un mot. Vous savez, un salange dans l'Ancien Testament a tué 185 000 soldats qui étaient ennemis contre Israël. Dans la nuit, tous sont morts. Touché par un seul ange. j'ai une nouvelle pour vous. Tous les anges de Dieu, lui, sont soumis. Et lui, il est au-dessus de tout. Et de tous. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez à mettre dans le ciel. Est-ce qu'il est véritablement votre maître, votre Seigneur? La Bible dit dans Romains 10, au verset 13 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit à ses disciples un jour Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Il doit être véritablement notre Seigneur. Nous devons prouver notre amour envers lui en mettant ses commandements en pratique. Dans Matthieu 7, j'ai lu en partie de ce chapitre ce matin, Jésus dit clairement, que beaucoup de gens se disant chrétiens ne seront pas sauvés. Au jour du jugement, ils vont même dire, mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons accompli toutes sortes de miracles en ton nom. Et la Bible dit que Jésus va répondre en disant, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité et il continue en, en expliquant que il n'y a que les gens qui sont fidèles mettant ces commandements en pratique qui seront sauvés nous devons chercher vraiment à tout mettre en pratique si nous avons expérimenté des choses surnaturelles ce n'est pas ça qui sauve. C'est l'obéissance. C'est le fait de recevoir le vrai Saint-Esprit. Parce que la Bible indique que beaucoup de gens reçoivent un esprit de séduction qui n'est pas le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Il me donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Jésus-Christ existait en forme de Dieu, égal avec le Père. Mais il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il s'est donné il est mort pour nos péchés. il est ressuscité pour notre justification. et la bible déclare que un jour tout homme sera obligé de déclarer que jésus est seigneur. salve, et sauveur. mais il sera trop tard pour beaucoup de gens. en réalité, le verset premier de ce chapitre quand Paul disait Maître, accorder à vos serviteurs ce qui est juste et équitable il parlait de l'esclavage. Il parlait de chrétiens qui avaient des esclaves. Mais comprenons la réalité de l'époque, surtout dans le contexte du judaïsme. Il ne s'agissait pas de l'esclavage forcé. En fait, très souvent, si quelqu'un avait des dettes énormes, ne pouvait pas payer, plutôt que d'être jeté en prison, ils acceptaient de devenir esclaves ou serviteurs, servantes volontairement. Mais selon la loi de Moïse, tous les sept ans, les esclaves étaient libérés. Ils avaient le droit de partir. Ils avaient aussi le droit de rester s'ils si préféraient rester dans ce contexte. Beaucoup préféraient de rester. Dieu est contre l'esclavage forcé. De la même man manière, le Seigneur est complètement contre l'esclavage du diable qui tient tellement de gens captifs. Jésus a dit dans Jean 8, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Mais déjà, l'humanité tout entière est sous l'esclavage du diable parce que nos premiers parents n'avaient plus confiance en Dieu. Ont écouté le diable. Et ce n'est pas uniquement leur propre péché qui nous condamne, c'est que tous les hommes ont péché. Tous les hommes ont un esprit de rébellion dans leur cœur, suscité par le diable. Et Jésus allait jusqu'à dire, très souvent quand il prêchait, Vous êtes de votre Père, le diable. Nous avons besoin d'être libérés. Selon Romains chapitre 8, nous avons besoin d'être adoptés dans la famille de Dieu. Délivrés de l'esclavage du diable et adoptés dans la famille de Dieu. Jésus libère. Sa parole libère. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous libérera. Oui, malheureusement, dans les églises, comme je, comme je le disais ce matin, il y a beaucoup trop de gens qui sont toujours liés. Et c'est particulièrement grave parce que celui qui est lié au péché n'a pas la vie. C'est ce que Jean a dit dans Jean 5. Et il a écrit aussi que celui qui pêche est du diable. Pour appartenir au Christ, nous devons permettre que Jésus nous libère de cet esclavage et de ce lien au diable. Mais il libère. Quand nous prouvons notre amour, commençons à mettre ses commandements en pratique, il agit. Quand nous demandons sincèrement pardon pour nos fautes, il agit. Quand nous croyons aux promesses de la parole, il agit. Mais la prière, est indis indispensable. C'est la raison pour laquelle il dit au verset 2, Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Persévérer dans la prière. C'est la manifestation de la foi. Selon Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il cherche. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu a dit. Est-ce que vous voulez être comme les apôtres? Est-ce que vous voulez avoir la foi des apôtres? Être utilisé comme les apôtres? Persévérer comme eux? persévérer dans la prière, comme ils ont persévéré. Pendant dix jours, ils ont persévéré ensemble dans la chambre haute, jour et nuit. Et tous, sans exception, ont commencé à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. Auparavant, un vrai miracle qui a été répété par d'autres après. Et ce miracle est pour tous les croyants. Vous savez, il ne s'agit pas de faire quelques sons. Le jour de la Pentecôte, chaque personne parlait en langue, différentes langues. Et les langues étaient reconnues, et nous avons tous les groupes qui reconnaissaient ces langues. C'est ce qui a arrêté la grande foule devant la maison, parce qu'ils entendaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Pierre a, a pu prêcher et trois mille hommes se sont convertis. C'était le début de l'Église. Nous avons tous besoin de cela. Tous les chrétiens dans le monde entier ont besoin de faire la même expérience et de continuer dans la puissance du Saint-Esprit. Mais ça n'arrivera pas sans beaucoup de persévérance dans la prière. Et on ne gardera pas cette puissance. Si nous ne sommes pas reconnaissants, est-ce que vous comprenez ce qu'il faut faire pour rester rempli de l'esprit? Dans Ephésiens, chapitre 5, au verset 18, nous lisons Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Je n'ai jamais été enivré de vin, donc je ne sais pas exactement ce que ça fait. Sans doute, peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous avez fait l'expérience dans le passé. Mais on me dit que si on boit trop, on est quand même joyeux. Je peux vous dire que quand on est rempli de l'esprit, on est joyeux. Et on est rempli de force. Et on n'a pas des maux de tête après. Mais pour rester rempli de l'esprit, et Paul nous dit que c'est vraiment important, non pas simplement de faire une seule expérience dans le passé, mais de rester. De rester rempli de l'esprit. Entretenez-vous. Par des psaumes, c'est-à-dire chantant, par des hymnes, par des contextes spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et le verset 20 dit Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont écrasés par la dépression. Les chrétiens ne devraient jamais être déprimés. Si on obéissait à ce verset-là, en tout cas, parce que nous croyons, selon Romains chapitre 8, au verset 28, que toutes choses concourent à notre bien. Donc même ce qui ne semble ne parler, on doit perdre un travail, et alors Dieu a quelque chose de meilleur. On a raté un avion. Vous riez, mais il y a longtemps, quand on est arrivé en France, on était dans le contexte, ce qu'on dit en anglais, Tin Challenge, l'organisation de défis pour les jeunes. Et une personne dans le groupe devait partir en voyage. Oui, c'était pendant les vacances. Et il était en colère parce qu'il avait raté son avion. Le taxi n'est pas arrivé à temps. Et vous savez quoi? C'est cet avion-là qui a explosé. Il y avait une bombe dedans. Donc il faut remercier Dieu, même quand ça va mal, en apparence, parce que toute chose concourte au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Priez. En même temps, pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Nous devrions prier pour tous ceux qui prêchent la sainte doctrine. Amen. Et que Dieu pousse les autres à la repentance, qui prêchent des faussetés, ou qu'ils ferment leur bouche en tout cas. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Dans Jacques, chapitre 1er. Nous avons besoin de sagesse pour toutes choses. Selon Proverbe, verset dans Proverbe, je crois que c'est 11, 30, c'est le sage qui s'empare des armes, qui gagne des âmes. Et Jacques dit au verset 5, au chapitre 1er, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies. Nous devons demander la sagesse avec foi. Quand nous prions pour que Dieu nous pardonne, il faut croire qu'il nous a pardonné. Quand nous demandons la guérison divine, on ne devrait pas dire cinq minutes après, mais j'espère que Dieu va me guérir. Ce n'est pas la foi. Il faut parler de manière positive, en accord avec ce que dieu a promis. nous avons besoin de sagesse pour gagner des armes. nous avons besoin de sagesse pour savoir comment agir avec les ennemis de dieu qui agissent contre nous. et nous devons nous fortifier dans le seigneur et prier par l'esprit afin de Déjouer les pièges du diable et des démons qui poussent les autres contre nous. Et nous devrions prier pour que Dieu délie les gens qui agissent contre nous, parce qu'ils sont manipulés par des démons, tout simplement. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité pour le faire. Mais pour savoir leur parler, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. On devrait même permettre que le Saint-Esprit parle au travers de nous, qu'il nous donne la sagesse divine aussi. Mais cette sagesse, comment la recevoir Oui, c'est par la prière. Mais qu'est-ce que... Paul a dit à Timothée, de, de, dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7, Timothée était apparemment craintif, timide, il était très jeune, et Paul lui confiait des tâches très importantes, parce que Paul était souvent en prison. Il confia à Timothée le choix des responsables de toutes les églises qu'il avait commencées. Et apparemment, Timothée était assez jeune pour qu'il soit méprisé par quelques-uns. Et Paul lui a dit de ne pas permettre que qui que ce soit le méprise. Il a dit à Timothée, Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pour l'imposer les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit, parlaient d'autres langues, prophétisaient. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sagesse. Nous devons vraiment permettre que le Saint-Esprit nous contrôle nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Et il parle du fait de racheter le temps. Il avait dit déjà dans Éphésiens, chapitre 5, quand il parlait du Saint-Esprit, comment rester rempli de l'esprit. Parce que racheter le temps, dépend de notre dépendance du Saint-Esprit. Vous voulez gagner des âmes, est-ce que vous devez parler avec tout le monde ou à quelqu'un vers qui le Saint-Esprit vous a dirigé? On peut gaspiller énormément de temps dépendant de notre propre sagesse. Mais quand on dépend du Saint-Esprit, des choses extraordinaires se passent. Pierre dépendait du Saint-Esprit. Il a écouté le Saint-Esprit. Il restait rempli de l'Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, il est trois hommes en bas. Parle avec eux. Il a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers non-juifs ont été remplis de l'Esprit, baptisés d'eau. Et Pierre et les autres apôtres ont compris que Dieu voulait sauver toutes les nations par la simple foi en Jésus-Christ, sans que les gens soient obligés de passer par le judaïsme, conduit par l'Esprit. Vous voulez évangéliser dans les rues? C'est bien. Mais soyez remplis du Saint-Esprit avant de le faire. Laissez-vous guider, que le Saint-Esprit guide vos paroles et tout. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. En d'autres termes, on ne doit jamais se mettre en colère. Les ennemis de l'éternel feront tout pour nous mettre en colère. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de salle, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Toujours, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Juste quelques mots à l'égard de nos paroles. Matthieu 5, au verset 21. C'est Jésus qui parle ici. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, nous devons vraiment faire attention de ne pas nous mettre en colère. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le saint -Nédrin. Je ne comprends pas le mot, mais c'est un mot d'insulte. On doit éviter toutes les paroles d'insulte. Que celui qui lui dira insensé, stupide, mérite d'être puni par le feu de la géhenne, par l'enfer. Nous ne veillons pas assez sur nos paroles. En général, la majorité des gens ne veillent pas assez sur leurs paroles. Verset 23 et dit, Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice. Et que tu sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Moi, je connais des gens, des chrétiens, qui avaient des disputes entre eux et ils ne voulaient pas régler le problème amicalement. Et ce qui est marqué là est exactement. Ce qui est arrivé, celui qui s'est mis en colère. Nous devons faire très attention. Juste un dernier verset dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Au verset 9, je ne vais pas prendre le temps, mais la première partie de ce chapitre nous pousse à faire très attention dans notre foyer, la relation entre l'homme et sa femme. Nous devons veiller vraiment sur nos paroles et nos attitudes. Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est la chose la plus difficile qu'il soit à faire. Les gens se moquaient du Christ. Lancer des pierres, des morceaux de bois, des insultes quand il était sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a prié en disant Père, pardon, ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque peut demander raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui vous décrit votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les, les injustes, afin de, de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort contre la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci d'avoir envoyé ton fils. Tu n'as pas épargné ton propre fils. Tu l'as livré pour nous tous. Seigneur, aide-nous à marcher de manière digne de lui. Aide-nous à marcher selon l'Esprit Saint. Que tous reçoivent le Saint-Esprit et marchent selon le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. D'être des hommes et des femmes de prière, persévérant dans la prière, étant conduits par ton esprit pour gagner des âmes, pour laisser une marque sur notre monde qui va durer pendant les âges de l'éternité. Purifie-nous, sanctifie-nous, transforme-nous en ton image, remplis-nous de l'amour du Christ. Et nous te donnerons toute la gloire et l'honneur. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez envie de vraiment glorifier le Seigneur, c'est possible que vous soyez là et vous n'êtes pas encore un vrai croyant, un vrai disciple de Christ, mais vous voulez le devenir. Je m'adresse à vous aussi en même temps. Mais je m'adresse aux croyants, qui sont croyants peut-être depuis longtemps. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez vraiment plaire au Seigneur? Vraiment être utilisé par le Seigneur? Au niveau de la foi, au niveau des miracles, au niveau de tout ce que le Seigneur désire de nous. Si c'est votre désir, élevez vos deux mains vers le ciel. Élevez vos deux mains vers le ciel. Et répétez une prière après moi. Père Céleste, je désire marcher en nouveauté de vie. Je te demande de me libérer de tout péché. Je désire être façonné à l'image de Jésus-Christ, lui qui s'est donné volontairement pour mes péchés sur la croix. Tu l'as ressuscité le troisième jour. C'était pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. J'ai besoin de ton esprit en moi, qu'il me conduise en tout temps. Délivre-moi de tout péché, de toute mondanité, que je puisse marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Donne-moi la sagesse nécessaire, la force nécessaire. L'amour nécessaire. Je renonce à tout et à tous. Je désire que tu sois mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Que je puisse être une personne de prière et d'action de grâce reconnaissant pour toutes choses, comprenant que tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te donne mon cœur et toute ma vie. Je te redonne tout. Au nom de Jésus-Christ, priez à votre manière. Priez à votre manière. Et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur.